ça fait quelque temps que je collectionne les vieux camions depuis la guerre de 14-18 jusqu'aux années 60. Et j'ai un tracteur d'artillerie avec sa remorque. Il me fallait le char Renault que ce véhicule transportait pendant la guerre. Ce char Renault avait été pensé par le général Étienne avec Louis Renault. Ils ont construit ce char-là à plusieurs milliers d'exemplaires. C'est un char qui était beaucoup plus léger que les chars de l'époque. Il pouvait les rouler à 8 km/h, il pesait 7 tonnes et il passait partout. J'ai mis à peu près 6 mois pour le construire, quoi. Les couleurs du maquillage extérieur qu'il a fallu faire, le poste de pilotage qui existe également, tout est reconstitué au plus réel. Ce petit char Renault avait la particularité d'avoir une rotation complète de la toile. C'est la première fois que ça arrivait sur ce modèle d'engin. Et ce qui permettait de pouvoir tirer dans tous les sens autour du char sans avoir de déplacer par lui-même tout l'engin. La toile est équipée d'un canon de 37 mm. Et j'ai réussi à retrouver ces douilles de 37 mm, vides naturellement. La cerise sur le gâteau, c'est quand j'ai découvert des photos dans des photos familiales, dans un carton de photos. Mon grand-père habillé en tenue de pilote de char de l'époque, lui qui nous disait, quand on était gamin, il nous expliquait toujours qu'il avait piloté un char. Et on n'y croyait pas trop. Et avec les photos, là, on est bien obligé d'acquiescer qu'il était pilote de char. Et ce qui m'a permis de donner son prénom à Denis, à mon char. Depuis que j'ai reconstitué tout ce matériel-là, je suis demandé un petit peu partout, dans des grandes villes comme Toulouse, Montauban, pour des grandes manifestations justement de la Grande Guerre de 14-18. On est en plein dans le moment de ces manifestations.